Paris semble figé dans le 19e siècle qui s'achève. Avec ces images des Champs-Élysées, on pourrait se croire dans un roman naturaliste d'Émile Zola, comme dans les pages de La Recherche éperdue que Marcel Proust s'apprête à écrire. À regarder ces images tournées place de la Concorde à la fin du 19e siècle, on comprend que la ville vit les derniers instants d'une civilisation qui va bientôt disparaître. Celle du cheval et des ferronniers, des fiacres et même des omnibus collectifs. Ces ancêtres de nos autobus tirés par l'animal et qui longtemps ont marqué la vie quotidienne des Parisiens. Mais dans cette atmosphère qui nous paraît surgir d'une époque lointaine, une révolution technologique est déjà à l'œuvre. Celle qui nous permet de regarder ces étonnantes images, filmées par un opérateur et sa nouvelle machine, au Jardin des Plantes de Paris. L'invention du cinéma, c'est l'histoire d'une longue quête qui vient enfin d'aboutir après de nombreuses tentatives de reproduction d'une scène animée.